Salut les goules, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une douche au cas où vous êtes sale. Vous aurez besoin d'une boîte à chaussures, d'un pic à brochette, de colle, de scotch, d'un tissu, moi j'ai pris un mouchoir, et d'un ciseau. Vous allez commencer par prendre une Monster High et la mettre dedans pour voir si la taille est bien. Faut pas que la boîte aussi elle soit trop grosse. Par exemple, moi c'est bien. Vous allez commencer par prendre des petits ciseaux et faire des trous. Là, vous allez mettre votre pic à brochette pour faire passer le rideau. Vous pouvez prendre et choisir la taille. Moi, je vais prendre là. Voilà. Deux en trou. Et maintenant, vous allez faire l'autre. Une fois que vous avez fait les deux trous, vous allez prendre votre pic à brochette et passer dans le trou. C'est un peu bancal par contre, moi. C'est pas grave. Vous allez couper un petit peu après. C'est un peu galère par contre. Une fois que vous avez coupé, vous ressortez la brochette. Je dis une brochette, mais voilà. Ensuite, vous allez prendre le tissu. Vous allez le déplier et faire une petite pliure. Une petite pliure comme ça, et vous allez mettre le scotch ici. Une fois que c'est fait, vous allez vérifier si la brochette passe dedans, jusqu'au bout. Moi, c'est juste qu'elle est un petit peu coincée, mais je sens qu'elle passe jusqu'au bout. Voilà, elle passe jusqu'au bout. Maintenant, vous allez essayer de la mettre là. Une fois que vous avez galéré, peut-être un petit peu déchiré votre mouchoir, vous voyez que ça fait un rideau. Alors des fois, vous risquez que vous devrez remplacer le rideau. Vous essayez de toujours de voir si la Monster High peut rentrer toujours aussi facilement. Moi, ça va. Et maintenant, nous allons passer à autre chose. Ensuite, vous prenez le couvercle de la boîte à chaussures et vous allez découper un petit coin comme ça. Comme ça, voilà. Une fois que vous avez découpé un petit carré comme ça, normalement vous avez ça et vous allez faire en sorte, vous allez en laisser, mais sauf que vous allez faire en sorte que ce soit plus fin. Ensuite, vous allez recommencer la même étape. Ensuite, vous coupez. Et voilà. Maintenant, ils sont prêts tous les deux. Maintenant, vous allez prendre votre scotch. Prendre un petit bout. Et le mettre comme ça sur les deux. Voilà, maintenant vous allez prendre vos deux petits bouts et vous allez les mettre
C'est ici que vos oreilles pourront placer leur pot de shampoing.